Unknown Movies, c'est 3 ans de ma vie. Et ça a l'air tout con dit comme ça, mais en fait, 3 ans à savoir où tu vas, ça t'aide vachement. Parce qu'en fait, quand on te demande qu'est-ce que tu vas faire après, la première réponse qui te vient tout de suite à l'esprit, c'est je vais faire le prochain épisode. Tu vois? T'as toujours quelque chose. Là, ça va être la première fois en 3 ans de vie où j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies, j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire, mais c'est la première fois où c'est pas défini, c'est pas obligatoire, c'est pas, y a pas quelque chose d'obligé qui arrive ensuite. Quand la saison 2 s'est terminée, on s'est dit directement qu'il fallait qu'on fasse une saison 3. Le souci, c'est qu'on ne savait pas comment le faire parce qu'on n'avait pas le pognon pour. C'était un peu la galère à ce niveau-là. Et on a passé vraiment. En fait, on s'est dit, on va pas se limiter. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écrire. Donc j'ai écrit les scénarios des épisodes, j'ai commencé à taffer dessus. Et en fait, après, on a commencé à partir de janvier, alors qu'on avait déjà quand même une bonne base d'écrite, on avait posé les dates de tournage déjà. Les dates de tournage ont été posées avant de trouver les financements. Histoire d'avoir l'équipe, histoire de réserver tout ça. Et en fait, le premier truc qui s'est posé comme problème, c'est que on cherchait à avoir des financements de part des grosses boîtes, du CNC et tout. Et à moitié, les gens n'étaient pas intéressés. Et à moitié, on s'y est pris comme des gros manches, quoi, globalement. Et on s'est retrouvé devant le fait accompli de, ben, il faut qu'on fasse un Ulule pour pouvoir le financer. Je t'avoue que quand on a fait le Ulule, on y croyait, mais pas trop. On s'est dit, on aura les 26 000 demandés, mais on n'aura pas plus, quoi. Et en fait, les gens nous ont pas mal surpris parce qu'on a atteint, on a atteint 42 000 balles, quoi. Film. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur le tournage de Unknown Movies saison 3. Comment ça va ce matin? J'ai faim. T'as faim? Mais ça va. Pourquoi t'as faim? Quelle heure il est là? Midi 14h? Je suis hébergé par mon chef et il me donne pas de petit déj. Il te fait quoi? Il me fait pas de petit déj mon... Sérieux? Mon supérieur. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est un dictateur. Ah, ouais, voilà. Je comprends mieux. Ouais. Ouais. Là, j'ai le même à la maison. Ah bon, bah voilà. Et bon, on se comprend. C'est quoi ça? Ceci est un micro accroché à une perche. Ouais. Ça sert à quoi? Ça sert à enregistrer ce que disent les comédiens. Et, ta perche, elle est longue? Elle est très longue. Tu nous sors ta perche? Très bien. Hop. Ah, qu'est-ce qu'elle est longue? Ah, c'est pas fini, hein. Ah, c'est pas fini? Oh, je dois me reculer alors. Waouh! C'est ici au fur et à mesure que je la. Bref. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et elle coulisse bien aussi, elle on coulisse dirait. Super bien, ouais. Dans les deux sens. C'est très bien. Vous êtes qui, monsieur? Je suis fatigué. Ah, je vous reconnais. Voilà. Votre attention, s'il vous plaît, c'est pour le making of. Oh, je vais demander une hola à mon top. Merde. Mais dans quel sens? Vers le haut. Non mais ça part de où? Ça part de celui qui l'envoie là, hola. Ah oui, mais t'as déjà les bras en l'air en fait. Donc la première rangée. La première rangée, on s'est dit. Écoute-moi un peu. Ah non mais aussi si t'expliques pas tout. Bon allez. Et top. Ah c'était pas mal, allez on la refait pour être sûr. On la double. Top. Et je me suis retrouvé sur le projet grâce à Christelle Dominguez qui joue la maman du personnage du tueur. Voilà, qui faisait partie du projet, qui m'a parlé de ce projet-là, qui m'a survendu le truc en me disant que c'était un truc super intéressant, c'était un super produit pour le web. J'ai postulé, t'as vu un petit peu mes photos, mon profil, et puis tu m'as appelé, j'ai lu le truc et puis on est parti comme ça. Parle-moi de ton personnage. Ben, personnage est compliqué à définir entre ce qu'on voit et ce qu'il est vraiment intrinsèquement. Voilà, on voit quelqu'un d'assez froid, autoritaire, d'assez violent la plupart du temps. Voilà, avec quelque chose de très renfermé sur lui-même. Je pense qu'on prend ce personnage-là à un moment donné où voilà, il traverse un épisode de sa vie qui est un petit peu complexe. Mais sinon, c'est un personnage comme un campagnard. Un peu rustre, très certainement,
Voilà, c'est un père qui a élevé son fils déjà seul, qui a dû faire mieux qu'il pouvait. On voit le fils tel qu'il est. Donc je pense que ce qui va mieux caractériser et mieux définir le personnage du père, c'est ce qu'est le fils, ce qu'on voit le fils dans la série. On voit que c'est un fils qui est, voilà, qui a envie de travailler, qui est bien élevé, qui est plutôt doux, plutôt équilibré. Je pense que le père était comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bah, si, bien sûr, qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voilà. Eh ben, vous voyez que c'est pas si difficile. C'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Mais oui, que c'est pas si compliqué. Il suffit de connaître un peu d'espagnol, il suffit de connaître un peu de latin, il suffit de connaître un peu d'italien. Voilà. Et du français, et on fait un petit mélange. Et on tourne, voilà, on tourne. L'occitan, c'est une racine. Oui. Bon, alors maintenant c'est qu'à vous. Là, on tourne un petit fil. Au capitre. Alors pour les acteurs, il y a plusieurs choses en fait. Il y a des gens avec qui je voulais travailler depuis un bail. Jérémy, par exemple, ça faisait un an et demi qu'on en parlait du fait que je voulais qu'il joue un personnage dans la saison et je lui avais déjà vendu le personnage à partir de la scène où, de la mort de son père. La scène où il apprend la mort de son père, je lui ai dit voilà, je veux faire une scène comme ça et j'aimerais que ce soit toi qui la joue. Et il a accepté. Aussi en amont, parmi les gens que je voulais dans la saison, il y avait Nicolas Bernot pour faire le maire parce que j'ai écrit le personnage en pensant à Nicolas et je l'ai croisé à la nuit originale et il m'a dit ok. Donc j'étais trop chaud, c'était trop bien. Et après, les gens qui se sont imposés d'eux-mêmes, il y a Sarah, que j'ai découvert dans What the Cut. Et quand je l'ai vue dans What the Cut, j'ai fait, bah, je la veux, globalement. Et on lui a fait passer un casting, et elle a accepté. À côté de ça, pour le reste des acteurs, c'est majoritairement en fait, des castings et des annonces auxquelles les acteurs ont répondu. On a eu à peu près centaines de propositions d'acteurs masculins, féminins, etc. Et après, on a fait le tri. C'est comme ça qu'on a rencontré Christelle, qui joue ma mère, sur laquelle j'ai tout de suite flashé et je suis tombé amoureux. Et j'ai dit, mais je veux que ce soit elle. Dès les entretiens, c'est la première qu'on a fait passer en entretien et j'ai dit, ok, ce sera elle. Pour Stéphane, qui joue Père Jérémy, c'est Christelle qui nous l'a présenté. On l'a vu dans un court-métrage et on l'a trouvé incroyable aussi, donc on est parti là-dessus. En fait, pour l'acteur qui joue mon père, ça a été ultra compliqué parce qu'on a eu un désistement 2 semaines avant le début du tournage. Et donc, il fallait qu'on trouve un acteur qui acceptait de partir 15 jours avec des gens qu'il connaissait pas pendant 15 jours sur un tournage en découvrant le rôle. Il fallait qu'on trouve quelqu'un d'assez fou pour le faire. Et j'ai proposé à une trentaine d'acteurs, j'ai eu une trentaine d'acteurs au téléphone qui ont tous refusé, qui ont tous invoqué des raisons qui étaient tout à fait valables, mais qui n'étaient pas dispo. Et puis même, voilà, on te prévient 5 jours avant, « Hey, ça te dit, dans 5 jours, tu pars 15 jours en tournage sur un truc que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas. » C'est compliqué. Et j'ai eu Christophe par Sarah qui avait un contact, pour te dire à partir du moment, et j'ai vu des trucs de Christophe, et je l'ai trouvé trop bon. Et je lui ai proposé, et il a accepté, et on l'a fait, et il a débarqué sur le tournage, et quand il a débarqué sur le tournage, la première scène qu'il a eu à jouer, c'est dans l'épisode 5, l'intro de l'épisode 5, il y a une scène où il gueule sur ses enfants, et ce qu'il faut imaginer, c'est que ça fait 2 heures qu'il est arrivé sur le tournage, et il est déjà chaud, et il est déjà dans le truc, et il joue le rôle. Et il a été incroyable, et c'est... Christophe, c'est le plus gros coup de chance qu'on a eu sur la saison, d'avoir un acteur aussi talentueux pour jouer mon père. Et résultat, je suis tombé amoureux de tous les acteurs de la saison comme ça. J'ai un torticolis. Non, c'est toi surtout. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir dormir dans ma tente. Ouais.
Moi, je l'accompagne. À part une abeille. À part l'abeille, une abeille est rentrée dans mon pantalon, ah, je ne reviens pas. Enfin, je voulais dire, j'ai pas un pantalon. Voilà, il est semi-slim, on va dire. Cette abeille est rentrée dans mon pantalon, je l'ai tué. Et voilà. Donc là, on est en train de fouiller le cerveau de Victor. Il y a de la buée ou c'est moi? Non, il y a de la buée. Oui, il y a de la buée parce que je respire à l'intérieur. Mais c'est toi. Je veux pas faire des trous dans la visière. Et là, je le trouve stabilisé en fait. En fait, moi je regarde. Plus sérieusement, en fait, moi je regarde l'écran et je pousse pas vers l'avant, s'il faut pas pousser vers l'avant. Ok. Bah, si t'es à fais un pan tilt comme ça. Ah mais peut-être que lui il a une plus grosse tête que oui, toi. Oui, bah moi ça me tire aussi, ouais. Ouais. D'accord. Ok. Du coup le casque est plus... Je plus ergonomique. Ouais, plus ergonomique. Vas-y, prends-moi... On va faire quoi, hein? Voilà, donc, et on va faire quoi? Tu restes stoïque sur ta caméra. Mais le problème c'est que juste bouger la mâchoire, ça me fait bouger la bouche. Voilà. Et donc, ce qui révèle un problème, un autre problème, Victor, c'est qu'avec ce système aussi, si c'est toi qui cadre, c'est que on a les sons en guillemets, ils vont péter un câble. Bah, sur tes répliques. Bah si t'es capable de le cadrer toi-même, vas-y. Le seul problème c'est que t'as aucun naturel sur... C'est-à-dire qu'il faut qu'on définisse en amont de chaque scène POV une chorégraphie très précise de regard. Tu parles comme si t'avais une dans la bouche. Tu me fais chier. Ouais. Un peu frais ce matin. Ouais. Maintenant, commence à avoir la chaleur, donc je vais peut-être aller changer. Je vais mettre un t-shirt. Puis bon, hein, les cimetières. On est toujours bien dans les cimetières. Il y a un silence que j'aime bien exploiter au son. En fait. Ça? Ouais, tranquille et toi? Bah, on est à la bourre. On a bordé beaucoup. Oh. Oui. Disons que si les journées faisaient quelques heures de plus, ce serait pas mal. On y va là. Ok, j'arrive. Les nuits aussi, hein. Oui. Oh oui. Oh, oui, oui. Alors, In the Panda. Alors moi, In the Panda, je ne connaissais pas. Je suis un truc indien, je ne sais pas, c'est bizarre. Je trouvais que ça faisait porno, moi-même. Ah ouais, moi je trouvais que ça faisait indien. Bon. Après, ce qui m'a... Au-delà de l'intitulé du casting, après, le deuxième truc qui m'a titillé, c'est un casting via Skype. D'habitude, on rencontre les gens en vrai, ils vous filment en vrai, mais on les voit en vrai à côté de nous. Et là, on se rencontrait via Skype. Et alors, en plus, pendant la rencontre Skype, moi, j'étais à Paris, lui, il était à Lyon, et son premier assistant était à Brest. Ça m'a fait beaucoup marrer. Je dis, bon, OK. Et puis, en même temps, c'est hyper crédible. Je trouve ça plus crédible de faire un casting via Skype, donc on est filmé, c'est de l'image, on va faire de l'image au final, que de finalement... Quelqu'un qui vous rencontre et qui vous filme pas. Alors que le jeu live et le jeu à l'image, c'est pas pareil. La caméra nous vole des trucs dont on n'a pas conscience, d'autres dont on a conscience. Et c'est là la différence entre le travail d'un jeu d'acteur de théâtre et de cinéma. Ce qui a fini de me convaincre, c'est pendant le casting. Ce qu'a pu me dire Victor, mais aussi Fabo, l'assistant, quand il m'a... Une fois que j'ai fait la scène, il m'a demandé un truc... De me faire, ouais, mais est-ce que tu peux faire ça? Et là, je lui dis, ta merde, j'y avais pas pensé à ça. Putain, c'est une bonne idée. Putain, mais ils sont bons en fait. Et là, ça m'a conquise encore plus. Donc, je suis allée dans cette ligne-là. Et au sortir de ça, chose que je ne fais jamais d'habitude, je me renseigne. Je googlise à mort, je regarde tout ce qu'a fait la personne. Et là, voilà, j'étais prise entre plusieurs jobs, j'ai pas vu. Et après coup, j'ai vu. Et je me suis dit, putain, mais en fait, ce qu'ils font, c'est vachement bien. L'instinct que j'avais au départ n'a fait que se concrétiser et se renforcer à chaque fois. C'est-à-dire que d'instinct, j'avais une vision de ce personnage. Et ce qui me plaisait au départ, c'est pas parce que c'est une femme battue que c'est une victime. Et ça, c'est à la fois la base et l'essentiel. C'est toujours extrêmement intéressant pour une comédienne de jouer un personnage comme ça à ce point meurtri. Mais c'est pas qu'une victime. Et ça, de jouer dans les nuances et de ne pas jouer un personnage caricatural
et aller dans ses failles et en même temps trouver de la force dans ses faiblesses, c'est ça qui m'a plu. Est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée sur le tournage, comment ça s'est passé, tout, dis-nous tout. Il faut dire tout, faut vraiment tout dire. Ah, vas-y. Parce que c'était à la fois, c'est toujours hyper excitant et agréable de venir puis de rencontrer les gens en vrai, même si Victor, Sarah, j'avais rencontré certaines personnes, mais il y a toujours un peu, c'est comme une rentrée des classes, un peu, on va rencontrer, les gens se connaissent déjà, on arrive, ils ont déjà tourné, donc on est un peu le petit nouveau, et manque de bol. Moi, j'ai le mal des transports et j'ai pas pris de cachet. Et quand je suis sortie du train pour la voiture, je n'avais pas conscience que ça allait durer autant de temps et qu'il y aurait autant de virolos. Et quand je suis arrivée, j'avais juste envie de vomir. Et donc, je suis arrivée malade et j'ai vomi. Je crois que c'est aussi mon pire moment du tournage. Position de départ, s'il vous plaît. Allez, position de départ. Quel côté? Gauche, droite? Gauche. Il y a déplacement. Ça écoute, Christophe branche la musique là-dessus. Voilà indiqué. Christophe, Christophe, niveau texte, ça va? Cet après-midi, oui, ça va. Et celle que t'en as pris hier soir, mais peut-être tu les as pas traitées. C'est hier soir. J'étais bourré, c'était hier soir ou avant hier soir? Ah non, c'était avant hier soir. Alors, je t'ai pas vu. Donc, tu sais, je faisais quoi? Tu as pris à travers la grille et tout ça, là. Ça s'allume. Je faisais un, le malheureux, et puis l'autre, je faisais... Si, je l'ai traité. Je voulais dire... Non, mais t'es... Pense. Donc, je suis. D'accord. C'est ça, je suis au stade. Thomas Landman, non, la question était de savoir est-ce que tu crois que je peux commencer à installer mon travelling maintenant ou est-ce qu'il y a des risques de le voir? Il sera où? Là. Là sur la trajectoire du stade. Allez, laisse-moi ça. Là au bout de la plaque, ouais. Action! Il y a une question qui me revient souvent, c'est comment on fait ça? Comment on fait un non-movies? Comment on fait ce genre de truc-là? Et la seule réponse que j'ai toujours donnée aux gens, c'est faites-le. Parce qu'en fait, c'est tout ce que ça vous demande. C'est de le faire, en fait. Ce qui est important, c'est de créer des trucs. Parce que faut comparer le premier épisode de non-movies au dernier. Si on n'avait pas fait tous ces épisodes de non-movies, on n'aurait pas pu arriver à l'épisode final. Et tous ont permis une amélioration successive d'épisode en épisode en épisode. Si je pouvais laisser qu'un seul truc avec un non-movies, ce serait ayez l'envie de découvrir des trucs, parce que c'est ultra important, il faut découvrir des trucs, et ayez l'envie de créer des trucs, c'est à dire voilà, j'ai fait un non-movies, j'ai pas la prétention de dire que ça a changé quoi que ce soit dans la vie de qui que ce soit, j'en ai rien à foutre en fait, je l'ai fait pour moi parce que personnellement dans ma vie ça m'a énormément fait du bien, et si ça a pu faire du bien aux autres c'est cool, mais voilà, j'ai fait un non-movies. À vous de faire des trucs maintenant. C'est à votre tour. Créez des trucs. Créez des trucs dont vous pourrez être fiers. Créez des trucs qui vont passionner les gens. Créez des trucs qui vont donner envie aux autres de regarder des choses et de créer à leur tour. Créer pour donner l'envie de créer. C'est le plus important. Si je dois laisser qu'un truc, c'est ça, c'est continuer à créer des trucs et continuer à faire des choses qui vous font plaisir et que vous aimez. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel unboxing. Aujourd'hui on ouvre quelque chose, je sais pas ce que c'est. Surprise, surprise.
Oh, la texture, oh, c'est parfait. Bon, alors, on va enlever tout ce qui est en haut. Vous voyez un peu que je l'ouvre comme un sagouin. Allez. Je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne qui s'appelle jeuneboxdespierretombales.com. Bah, sinon la thématique de la chaîne, je suis un peu baisé, hein. Moi j'ai promis ça à mes abonnés. Si c'est pas ça, j'aurais l'air un peu con. Hein. C'est, soudainement, il ouvre une boîte à chaussures. Le gars qui n'a aucune continuité. Ouais. Est-ce que Pierre Tombale, c'est le frère caché de Christian Ball? Merci. Alors, juste pour savoir, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est quand même vachement chelou comment ça s'est passé, comment tu es arrivé sur la saison? Je suis arrivé parce que j'ai reçu un coup de fil de Victor, je crois que c'était le premier, de mémoire, le 1er août, en me demandant, en me disant que, qu'il y avait un comédien qui n'était plus sur un projet, qui allait démarrer 15 jours après, et que, voilà, que c'était la grosse galère, et qu'il cherchait absolument quelqu'un pour un rôle de père, qui était un rôle... important dans la série, et voilà, donc j'ai reçu ce coup de fil, Victor m'a demandé de regarder, j'ai reçu le scénar, et il m'a demandé de regarder les vidéos des saisons précédentes, j'ai regardé tout ça juste après l'avoir eu, parce que c'était un dimanche, et que j'avais un peu de temps, et du coup j'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, sauf que j'avais une date, moi, qui arrivait de travail, que je ne pouvais pas éviter, à l'intérieur des dates prévues pour moi, qui étaient sur une période de 15 jours, mais... parce qu'on t'a demandé quand même une semaine avant de partir. C'était juste une semaine avant de partir, on t'a dit viens, par deux semaines, tu ne me connais pas, viens. Donc j'ai fait confiance, j'ai lu, ça m'a intéressé, j'ai trouvé que c'était un objet singulier déjà à la vision des deux saisons et à la lecture. Je me suis dit, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais l'impression de n'avoir jamais lu un tel projet. Donc déjà, c'était intéressant. Le rôle que j'avais à défendre était très complexe, mais intéressant. Et je me suis dit, lance-toi, c'est possible de le faire, et vas-y, voilà. Ben justement, tu dis que le rôle est complexe. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle? Est-ce que tu peux nous parler de ton personnage? Est-ce que tu peux nous dire des choses sur lui? Parce que c'est quand même un personnage important. Alors, qu'est-ce que je dirais? Je pense que c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui n'a pas été étayé. Je pense que c'est quelqu'un qui a manqué beaucoup de... C'est ma vision, hein, mais que je crois que j'ai maintenant a posteriori, mais que je n'avais certainement pas avant, parce que j'ai pas eu le temps d'analyser quoi que ce soit, parce que j'étais obligé de me plonger directement. Je pense que c'est quelqu'un qui a manqué beaucoup d'amour dans l'enfance, etc., à qui on n'a pas appris qu'on n'a pas aimé, et qui n'arrive pas qui a du mal à aimer, et qui ne sait pas comment s'y prendre pour aimer les gens. Je pense que c'est pas quelqu'un de mauvais dans le fond, mais qui se réfugie dans cette solitude, dans ce manque d'amour, et que c'est quelqu'un qui est blessé et qui n'a pas une envie première comme ça de blesser, mais de par rapport à son de là où il vient, il n'arrive pas à faire autrement. Il n'a pas les clés, c'est pas quelqu'un, je pense, qui est dans un milieu où il peut avoir fait un travail sur lui. Donc c'est quelqu'un qui s'enferme dans cette blessure d'enfant et qui comme malheureusement beaucoup de gens qui ne font pas un travail sur eux, reproduisent des choses et reproduit, à mon avis, cette violence qu'il a vécue lui-même. Qu'est-ce que tu cherches à installer ? Une accroche. Enfin, là, je fais un soutien pour l'accroche Kino parce que le poids fait que le projecteur ne tient pas en place. D'accord. La rotule ne le soutient pas. Alors, je fais un petit soutien pour soutenir le soutien. Ça, avec justement le zone de tac. Alors, qu'est-ce qu'elle amène, hein? Ok. Ok. Vous avez besoin de refaire une fois? Ouais, allez. Une dernière et après on y va. Je vais pas faire comme j'ai fait tout à l'heure déjà parce que je me suis déjà fait mal là. Oh merde! Bah oui, je fais pas vraiment, puis j'ai fait vraiment en fait. J'aurais travaillé au moins. Et en fait, le dire fait trop, voilà, tu vois.
talent. Diaf trop fort, Diaf bien mis. Oui. Celle-là, c'est la bonne. Ou la 3 ou la 4. En tout cas, j'ai fermé le Diaf, c'est quand même beaucoup plus joli. Et le mouvement, putain, je le trouve trop cool. Véhicule en approche par le bas. Donc voilà, mon boulot c'est ça. Je suis pas sur la bonne fréquence. Donc voilà, mon boulot bah, c'est ça. Donc Carole est en haut de cette route, moi je suis en bas. Et entre les deux, il y a l'équipe de tournage. Mais vu qu'il y a un virage bien dangereux derrière, eh ben on fait ça là, comme on peut quoi. Je suis sérieuse, je suis la seule sérieuse dans cette maison. Non, le monsieur aussi derrière la caméra, du coup, vu qu'il bosse autant que. Oui, mais je bosse pas sur UM. Je bosse sur mes projets perso, j'ai pas que ça à faire, hein. Je suis un homme occupé. Hein. Oui, je suis plutôt sûr que tu as raison sur cette phrase. Tu filmes à la 7S en log 2, t'as 3200 ISO. Sans bruit ? Avec du bruit. Ah. Tout ce que je fais. Faites du bruit. Eh oui, avec du bruit, il faudra dénoiser, bordel de merde. Mais on n'a pas eu le temps de faire des tests, donc on verra bien ce que ça donne. Allez, je vais aller fumer une clope. Tu mets tout ça au four. Bah oui, on met tout ça au four pour le faire gratiner. Tu cuisines souvent comme ça ? Oui. T'es une grande cuisinière. Ah oui, c'est fou, toute ma vie. C'est qu'il a de la chance, c'est Guillaume cuisine aussi lui. Très bien. Ah ouais. Comment. Ah ouais. Ah alors c'est un petit cordon bleu. Exactement. Ah, enfin, il cache un vrai petit homme d'intérieur, vous vous rendez même pas compte. Un homme d'intérieur. Ah oui, parfaitement. C'est comme un chien d'intérieur, c'est. Non, c'est comme une femme d'intérieur, merci de la comparaison. Je ne connaissais pas la femme d'intérieur, je ne connaissais pas ce terme, désolé. Donc là, tu remets quoi là ? Et ben, on fait aussi une petite poêlée de légumes parce que on a des végétariens qui ne mangent pas de poulet et des gens interdits de féculents qui ne mangent pas de collante. D'accord. Pour que tout le monde mange à sa faim, n'est-ce pas ? Ouais. Voilà. C'est parfait parce que je faisais vraiment le jour où je suis le plus dégueulasse que j'ai passé ma journée dans l'huile. Non, mais ça se voit pas. Des trucs, putain, soyez fiers. Moi, je suis fier de me viser. Je suis fier de ces 3 ans. Je suis fier des gens qui ont bossé dessus. Je suis fier de l'avoir fait. Je suis fier de me dire que c'est fini. Je suis fier de ce truc-là, putain. J'ai bossé 3 ans de ma vie. Moi non plus, j'ai pas compté les heures. Moi aussi, j'ai fait des nuits blanches. Et les gens me disaient, oh, t'as pas trop mal au cul de voir que telle critique où t'as bossé qu'une heure a fait tant de vues alors que t'as bossé comme un fou sur ce truc-là et ça a fait 3 fois moins de vues. Non. Parce que personnellement, ça m'a apporté énormément. On n'a jamais fait un autre movie pour les vues. On n'a jamais fait un autre movie pour ça. Ne créez pas pour les vues. Ne créez pas pour ça. Créez parce que ça vous fait du bien. C'est ça, un autre movie. C'est un truc de barge qui a été fait par des barges qui, pendant 3 ans, ont continué contre vents et marées, même quand tout se cassait la gueule, et qui l'ont fait jusqu'au bout, sans compter les heures, sans compter les vues, juste en étant fiers de créer quelque chose qui nous rendait heureux. Ouais, si je devais conclure, je dirais merci d'avoir regardé notre movies. Merci d'avoir cru dans ce truc timbré, parce que ça prouve que vous êtes aussi timbré que nous. Et ça, c'est touchant. Et on se dit pas à la prochaine, Gauthier. Pas cette fois. Putain, enfin. Allez, c'est fini, putain. Au revoir, notre movies. Oh,
On arrive. T'es prêt à faire le looping? Attendez, il y a Carole devant. Prêt à m'intercepter? Ouais. Ah ouais, mais non. Ah non, on va se cracher. Oh là là. Je panique. Akaboum. On est mort. Nous, heureusement, nous sommes tombés sur de l'eau. Tuku 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 tac tac tac. Oh là là. Bienvenue à Gataka. J'ai un roucoule, t'as un ratatac. Non, mais je peux atterrir comme ça. Ah, très bien. Calmez-vous. Je suis en marche arrière et je ne peux pas dépasser les 50 km/h. Pourquoi? Il y a un radar? Non, car je suis en marche arrière. Ah. Il n'y a que dans Fast and Furious qu'on peut dépasser les 200 km/h en marche arrière. C'est pas faux. Oh là là. Attention. Je vais aller courir voir s'il y a des chevaux. Je me fais attaquer par une pince à épiler. Oh mon dieu. Oh là là. Hélicoptère, pouvez-vous imiter le cri du cheval? Je crois qu'on est plein de coco. Passez par un papillon, hélicoptère. J'ai perdu le visuel.